Et cette fois-ci, on est bon. Allez, 313 km. Allez, j'espère qu'on n'arrivera pas trop tard. Là, ça dit 18h36. On va arriver à 19h30, 20h, je pense, hein. Allez, en route! Là, je me suis arrêté pour faire une petite pause pipi et je vais en profiter aussi. On va mettre un panneau à l'arrière du camping-car en marquant que le turbo est en panne parce que avec les poids lourds, il râle un petit peu. Enfin, il n'arrête pas de me doubler. Donc, comme je roule qu'à 70, entre 70 et 80 max. Et là, c'est des routes des fois à 130, c'est un peu dangereux. J'ai mis mes warnings, tout ça, quand des fois ça descend à 50 quand je suis en montée. Et j'ai remarqué que là, en poussant les vitesses, donc je passe la 3 à 20 km/h. Non, la 3 à 40 km/h, la 4 à 60 et la 5, je dépasse pas les 80. Et là, ça siffle plus pour le moment. Donc, on va faire comme ça. Bon, voilà mon petit panneau avec le petit dessin d'escargot. Voilà, je vais le coller comme ça sur le caisson arrière. Voilà, je l'ai collé comme ça au moins. Voilà, ils sauront pourquoi je roule pas vite. Je profite pour sortir un petit peu Falcor en même temps. Petite pause pipi pour lui aussi, son œil est toujours un petit peu fermé, bon j'espère que ça va aller. Je me demande si c'est quand même pas fait piquer par un insecte. Après j'ai ouvert son œil et bon il est pas abîmé son œil, hein. C'est juste enflé au niveau de la paupière. Donc j'espère que ça ira. Il y a des jours comme ça, vaut mieux rester couché. Hein. Allez mon gros. Hop. Bon c'est bon, personne n'a envie de faire pipi là-dedans. Regarde ton œil gros toutou. Ouais il se frotte. Mais ouais mais si t'arrêtes pas de frotter aussi, hein. Ouais. Donc, oh là là, que des misères aujourd'hui. Hein. Allez, on y retourne. Il nous reste encore quand même pas mal de route, hein, 223 km. On n'avance pas vite, mais bon, pour le moment on avance, c'est déjà pas mal. Ça y est les amis, on arrive enfin. Franchement j'en ai marre. Ça fait 11 heures qu'on roule. On a fait quand même une pause de à peu près 1 heure. Mais au lieu de 8 heures, on a presque mis 10 heures de route quoi. Donc bien fatigué. Mais ça y est, on y est enfin. Encore 200 mètres. Ouh, il va être nu, je suis bien content. Le bruit s'est arrêté. Enfin, le fait que je roule en sous-régime, ça s'est arrêté. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à chez Christian pour le retour en espérant que voilà que ça tienne, mais bon avec tout ce qu'on a roulé je pense que ça va le faire. Ouf, bien content d'être arrivé, enfin ça y est on y est là. Alors je vais pas filmer Fabienne ni Xavier parce qu'ils veulent pas apparaître sur les réseaux, et ça y est là je suis arrivé chez eux, bien content. Bon nous sommes dans la voiture de Fabienne,
Bah, un grand merci encore Fabienne, parce qu'en plus t'es en train de nous amener au resto. Avec plaisir. Et puis je voulais te dire un truc. J'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, en farfouillant sur ma chaîne YouTube, bah, tu sais quoi, tu es ma deuxième abonnée. Bien sûr. Tu je le sais? Sais. Ah ouais? Oui. Je suis ta plus fervente et Annabelle aussi d'ailleurs. Ah ouais? Tu fais partie des premières. Ah oui, je sais bien. Ouais, j'ai vu ça, je dis, ah, mais c'est ma deuxième abonnée qui est en plus. Bah écoute, un grand merci à toi et puis à ton fils. Et puis merci aussi de nous inviter au restaurant. Voilà, on est arrivé. Petit restaurant chinois. Bon appétit, les amis. Bon, bah de retour au CC. On est en train de se préparer à se mettre au lit. Au toutou, bah son œil est toujours un peu fermé. J'espère que ça ira mieux demain. Hein, c'est Fabienne qui va te garder demain, et Xavier aussi. Ce soir, en fait, Xavier était de nuit, donc il revient que demain à 7h. Voilà. Et puis comme ça, Fabienne et Xavier vont s'occuper de lui pendant qu'on sera au parc, quoi. Hein, en gros. Bon. Je pense que ça va aller. Il a eu sa petite viande ce soir aussi. Hein, je ne vais pas montrer, mais je vais donner à manger avant qu'on parte. Voilà. Bon, écoutez, on va se mettre au dodo, parce que demain, il faut qu'on se lève tôt. Ouais, on va se lever vers 7h, quoi. Le temps de se préparer, et puis à 8h30, on va prendre la route pour aller du coup au parc. Et bonjour les amis, ah, 7h du matin, oh, ça pique, ah, surtout après avoir roulé autant, le réveil vient de sonner. Allez, il va falloir se lever. Allez, nous voilà au petit déj, c'est un peu dur ce matin les enfants, on a un peu de mal à se lever, mais bon. On va prendre un bon petit déj et puis après direction le parc. Bon, toutou, son œil ça va un petit peu mieux. Enfin, il est encore un petit peu fermé quand même ce matin. Mais bon, je pense que ça va le faire. De toute façon, comme je vous ai dit, Fabienne va surveiller ça. De toute façon, il ne sera pas tout seul. Il va être toutes les journées avec quelqu'un. Hein, Xavier, il adore d'ailleurs le promener. Elle m'a dit après, il est adorable ce gros toutou. Donc, c'est une vraie star. Donc voilà, on déjeune, je vais préparer après le sac à dos, on va passer vite fait à Lidl parce que j'ai oublié de prendre des sandwichs. C'est vrai que là-bas la bouffe elle est trois fois le prix de un burger, ça vaut trois fois le prix qu'à l'extérieur quoi. Donc elle m'a proposé hier soir de passer vite fait à Lidl ce matin, ça ouvre à 8h30 je crois. Et puis nous il faut qu'on soit là-bas pour 9h, donc voilà, on va se préparer tranquillement. Ah, pour les gâteaux t'ouvres grand les yeux là, hein? Ouais, il ouvre un petit peu mieux quand même. C'est pas encore ça. Du coup, je mets la crème maintenant là, pour cicatriser. Puis après, je mets la crème solaire. Et regardez, j'ai aussi l'œil abîmé ce matin, moi. Je crois que je me suis frotté l'œil cette nuit. J'ai l'œil tout rouge. C'est l'œil droit aussi. Comme Falcor, dans Symbiose. Donc, bon, c'est moins grave. C'est pas une piqûre d'insectes. Mais... Là, j'ai l'œil tout rouge. Bien gonflé aussi. Pff, la fatigue. Allez, on va se préparer. Là, je vais préparer le sac à dos. J'allais oublier un petit coup de brosse. Voilà, le sac à dos est prêt. Donc il reste plus que les sandwichs qu'on va aller acheter. Là j'ai pris des gâteaux pour le goûter, tout ça. J'ai pris ma sacoche avec mes papiers. Et j'ai bien retiré aussi mon couteau suisse. Je l'ai laissé ici. Parce que bah ça c'est interdit. On peut pas rentrer à Disney avec un couteau. La dernière fois, bah, petite anecdote. J'avais la trousse à outils, vous savez, pour les vélos. Je l'avais oublié dans mon sac à dos. C'est même pas des couteaux, hein, c'est juste des clés à laine, tout ça, c'est une sorte de petit canif comme ça. Et j'ai pas pu rentrer, j'avais dû ressortir, on avait fait la queue en plus, j'ai dû ressortir, le mettre dans le bac, dans un bac à fleurs à l'extérieur de Disney, et je suis venu le récupérer en sortant en fait, parce que sinon bah, il le mettait à la poubelle quoi. Donc faites attention hein, si vous allez dans les parcs d'attractions, de bien enlever les couteaux, les choses comme ça. Même les outils à vélo, ils veulent pas des outils. Ce que vous entendez, c'est le petit chauffage, parce que ce matin, il fait quand même un petit peu frais. Et je vais prendre aussi, du coup, les chaussures. Pas parce qu'il fait froid, mais parce que dans certaines attractions, je crois que ça va être interdit déjà d'être pieds nus et d'être en tongs aussi. Donc je vais mettre mes petites chaussures minimalistes que je mets de temps en temps, quand j'ai pas le choix d'avoir des chaussures. Je suis en train de sortir mon gros toutou quand même avant de partir. Puis après, je vais le confier, du coup, comme je vous ai dit, à Fabienne. Un grand espace ici, là, pour courir. Tu seras sage, mon gros, hein? Ouais? Je te laisse avec Fabienne, hein, aujourd'hui. Puis Xavier aussi. Hein? Bah ouais. C'est comme ça qu'on avait fait d'ailleurs la dernière fois avec Anna quand on était venu. On avait laissé gros toutou et Nani à l'époque. Et bah, c'était super bien passé. Ils les aiment bien. Ils sont super gentils donc.
J'ai en train de préparer la gamelle pour ce soir pour Gros Toutou. Voilà, 1 kg de viande, comme hier. Hein? 2 barquettes d'un kilo, hein, en 2 jours, bah dis donc. Bon bah les amis, ça y est, nous voilà dans la voiture, hein, direction Disney. Super content, les enfants sont au taquet derrière. Ouais. Ouais. Merci encore Fabienne. Pas de problème. Et puis voilà, on va aller bien s'amuser. Le sac est prêt, on est passé à Lidl, faire 2-3 courses, voilà, pour avoir les sandwichs. Ouais, on a du soleil, c'est vrai. Et normalement, ils avaient annoncé de la pluie aujourd'hui. Donc finalement, alors, on a du soleil et la pluie est annoncée que pour la nuit. Donc on devrait pouvoir rester jusqu'au spectacle. En plus, il y a des spectacles maintenant avec des drones, tout ça. Ça a l'air assez joli. Voilà, c'est là que je laisse. Ok, et ben merci encore. Ouais. Allez, on va aller en profiter. À tout à l'heure. Regardez la fameuse tour. Mon fils avait. Ouais, il était petit, il avait bien eu peur. Et ça y est, nous sommes devant l'entrée. Disneyland Paris. Ça y est, regardez, nous sommes rentrés dans le parc. Et c'est sur le thème d'Halloween. La première fois qu'on va faire sur ce thème-là, le parc. Quoi. Regardez, on voit le château déjà. Nous sommes dans le château de la Belle au Bois Dormant. On va monter un peu voir les vitraux. On en profite, il n'y a personne, parce que là, ils sont tous partis aux attractions. La dernière fois qu'on était venu, c'était blindé. Là, il n'y a personne. Waouh. C'est joli, c'est vrai que c'est vraiment bien décoré. Et là, ils nous ont mis tous les vitraux avec l'histoire du coup de la Belle au Bois Dormant avec la méchante sorcière là-bas. C'est joli, hein? C'est le meilleur moment parce qu'il y a le soleil là. On a essayé de se prendre en photo devant le château, mais la photo avec le soleil dans la tronche, on a eu un peu de mal à ouvrir les yeux. Oh, c'est joli. Ouais. Et regardez le fameux rouet où elle se fait piquer le doigt et puis après elle s'endort. Enfin, c'est sauveur. Là, j'ai trouvé un nouveau costume pour tester les vélos. Regardez ici le dragon. C'est trop joli, c'est sur des tapis comme ça. Sur les murs. Bon, les premières attractions, on va commencer par Blanche-Neige et les 7 nains. Bientôt, ce sera moi. C'est rapide, hein? Le trésor des nanas. Ah oui, c'est... Ah! Bon, vous avez aimé quand même? On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup rigolé, c'était très sensation. Bon, c'était une petite attraction pour se chauffer quoi. Après, on va attaquer les Space Mountain et compagnie.
Là à côté, il y a Pinocchio, mais bon, c'est déjà bien blindé. Hein. Combien ils disent? 15 minutes. Bon, ça va encore. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Pinocchio? Non. Non. Je vais faire quoi, là? Bon, bah allez, on va voir après, alors. Les fameuses tasses, ça, elles sont vraiment très anciennes. Hein. C'est depuis, je crois, l'ouverture du parc, hein, comme ils sont. Alors là, je suis en train de les emmener dans la meilleure attraction du parc. plein de sensations fortes, vous allez voir. Tu mens? Ils savent pas ce que c'est. Je vais leur montrer. Premier accès, c'est quoi? C'est pas le labyrinthe magique là? Non, 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 vous allez voir. Vous allez vous en rappeler toute votre vie. Bah, vous verrez ce que c'est. Vous allez vous en rappeler toute votre vie. Pourquoi? Vous verrez, vous comprendrez. Non, mais j'aime pas trop les trucs de sensation. Ah, mais c'est une blague. Oula, il y a le pigeon qui vous attaque. Toute votre vie, en plus, il n'y a personne. Il n'y a pas de queue, il n'y a que 5 minutes d'attente. C'est la queue qu'on va retirer toute notre vie. C'est sûr que tu fais une blague, en fait, c'est vraiment un micro-truc. C'est sûr. Regarde, je suis d'accord. Ouais, vous allez voir, c'est sur l'eau, en plus, c'est dans des bateaux comme ça. Est-ce que ça finit trempé Non, normalement non. Oh, je sais ce que c'est, normal. Ça. Vous êtes prêts? Installez-vous et accrochez-vous bien. En plus, il n'y a pas de sécurité. Allez, nous voilà partis. Je pense que vous allez être traumatisés à vie, les enfants. Si ça se passe sur cette porte, il y a mal des trucs. Ouais, mais il faut bien se tenir. Il y a un bateau fantôme qui nous suit en plus. Vous allez être traumatisé par cette chanson. Elle va vous suivre toute votre vie. J'ai coupé ou pas? C'est le royaume des poupées. Alors, est-ce que ça vous traumatise? Bon, ben, on se dirige maintenant vers le Space Mountain. On va commencer peut-être par une attraction Star Wars aussi en 3D. Voilà, histoire de d'avoir digéré un petit peu notre petit déjeuner de ce matin. Et le plus jeune, il a jamais fait Space Mountain d'ailleurs. Hein, c'est ta première? Ouais, nous on l'avait déjà fait la dernière fois, t'étais assez grand. Ouais. T'avais 5 ou 6 ans, je sais plus. Et toi t'avais que 3 ans, donc voilà. T'avais pas pu faire. Donc on va faire ça après. Regardez, nous avons le vaisseau de Luke là-bas, qui atterrit sur le système d'Agoba pour les fans. Et on va faire du coup le Star Tour. On est vraiment venu à la bonne période parce qu'à chaque fois il n'y a que 10 minutes d'attente. Donc trop cool. On s'y croirait. RD SC3PO là-bas. Et RDD2. Et c'est les extraterrestres là-haut. Il y a la tour de contrôle. Je me rappelle plus quoi leur nom. Excellent. C'est vraiment bien mis en scène. Comme ça, on attend vraiment avec de l'animation. Quoi. En fait, ici, il y a un tableau d'embarquement. C'est comme si on allait embarquer dans les vaisseaux qui sont juste là, ici, là. Où il y a RDD2 dessus. Quelle que soit votre destination, découvrez d'incroyables sensations grâce à l'IC360. C'est la route panoramique pour admirer la galaxie. Et c'est uniquement sur Star Tour. Regardez, c'est l'embarquement, il y a tous les bagages ici. Avec le robot. C'est la pause. Il est en train de scanner. C'est une bonne chose parce que tout il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je prends 5 minutes et je reviendrai comme neuf. Alerte. Là, on pose. Alerte. Détecté. Il y a un droïde. Alerte. Mais je n'ai rien raté au moins. J'espère. Autorisé. Il laisse passer les droïdes. Allez, et bon, on va embarquer. Par contre, c'est interdit de prendre des photos à l'intérieur. Donc, de toute façon, c'est en 3D avec les lunettes. Voilà, allez, on vous reprend après.
Bon, bah écoutez, c'était super, franchement. Oui. Pas mal, hein. On s'y croirait, en plus, il y a vitesse lumière, tout ça. Comme dans Star Wars, dans un vaisseau qui part dans la guerre, tout ça, enfin, que c'était pas prévu. Ouais. Franchement, je vous conseille de le faire, c'est excellent. Allez, c'est parti. Et maintenant, il s'appelle d'ailleurs le Hyper Space Mountain. Regardez. À la base, c'était Space Mountain, mais maintenant qu'ils ont racheté Disney, bah, voilà, ils ont modifié en mode Star Wars. Allez, c'est parti, les amis. Il y a quand même 30 minutes d'attente. Ouais, ça, c'est l'attraction un peu phare. Regardez, juste à côté, il y a le Nautilus. Regardez, le magnifique canon, là. On va être projeté. Ouais, à la base, c'était pour aller sur la Lune. Maintenant, on va aller dans l'espace, l'hyperespace, avec le thème de Star Wars. Oh, c'est impressionnant. La hauteur du canon. Bon, on entend pas mal crier. J'espère que ça va aller. Non, ça va pas. On commence à flipper un petit peu, là. Ah, ça va le faire, ça va le faire. Non. Nous allons passer du côté obscur de la Force. Regardez, il y a encore les anciens décors quand même de Jules Verne ici. Bon là pareil, je pourrais pas filmer parce que bah ça va aller vite. Oui, mais en fait je croyais que j'allais tomber comme ça, donc j'ai eu les... Bon, c'était bien quand même. Ouais. Ça va, t'as pas eu trop peur? Ouais, il y a quand même des loopings hein, là-dedans. Excellent. Bon, on refait ? Bah, tu vois, en vrai, ça va. Moi, je pensais que c'était un peu plus flippant. Ouais, finalement, ça va. Hein. Bah, c'est souvent... Enfin, c'est la plupart du temps dans le noir, quoi. Mmh. Puis des moments, il y a quand même quelques rayons de laser. Je trouve que c'était mieux avant, quand même. Quand on faisait... Bah, les années 90, quand on allait sur la Lune, en fait, à un moment, je crois qu'on traversait la Lune. Enfin, c'était un peu plus éclairé. Là, je trouve qu'on est... Enfin, il y a beaucoup... Ouais, c'est beaucoup dans le noir et... On voit pas grand chose, il y a quelques lasers, des petits vaisseaux en 3D comme ça. Ah, mais ouais, c'est vraiment sympa. Tiens, il y a les photos là. Regardez, on est là. Bon, il y a le petit verrou pour pas prendre les photos, mais. Ah. Excellent. Moi je suis là. Wouhou. Regardez, excellent ce qu'on a trouvé. Vous avez la ref? Non. Il y a manqué la ref. Il n'y a pas vu ce dessin, c'est Fantasia. Tu connais pas Fantasia? Je l'avais en VHS moi. Bah écoutez les amis, on voulait faire une autre attraction là, on était parti pour le train de la mine. Mais en fait il y a une parade le matin aussi. Je savais même pas. Enfin, le matin il va être 11h30 là. Donc du coup je sais pas si on peut passer. Nous on la regardera ce soir avant le feu d'artifice. Mais là ouais, je crois qu'on est un peu bloqué du coup. On était bien bloqué donc on va faire le Nautilus en attendant. On peut visiter normalement le Nautilus. Ouais, normalement c'est un musée, ouais. Comme ça, il n'y a pas de temps d'attente, c'est cool. Regardez le trésor du capitaine. J'aime trop le décor, franchement, on s'y croirait là. On arrive dans le sous-marin. Ah, il y a Lio, il a l'air confortable, dis. Oh, excellent. On entend de l'eau là-bas. Oh, c'est excellent. Sur la carte ici. Avec la combinaison pour plonger. Oh, c'est excellent. Là, c'est pour toi ça. Ouais. Nous jouons un petit morceau. Requin, notre trajectoire, capitaine Nemo. Open the view. Ah. Il y a un requin. Et les requins marteaux, pour être précis. Ils chassent les raies normalement, en bougeant leur tête. Les ah, requins peuvent capter les signaux électriques oh, qu'ils émettent. Même si elles sont cachées sous le sable. Là, c'est la salle des machines.
Regarde, ça c'est pour toi aussi, moteur mécanique. La salle des machines. Bon, là ça y est, je crois qu'on a fait le tour. C'est sympathique, on aura pu visiter le Nautilus. Et donc il était là. Et on vient de voir qu'il n'y a pas beaucoup de queue là-bas. Space Mountain, est-ce qu'on ne referait pas un Hyper Space Mountain? Allez, on y va. Allez, là, on y va. Allons-y gaiement. Bon, bah finalement, je crois que la parade est terminée. Regardez tout le monde qui attend là, pour rentrer. Et après, là, on peut rentrer Single Riders. Mais on sera peut-être pas dans le même wagon. Bon, allez, on va faire le... ce qu'on voulait faire là. Le... C'est quoi encore? Le train de la mine. Ouais. Allez. Bon, en train de se dire, ça s'est vraiment rempli. Alors je pense que c'est les gens qui sont à l'hôtel, qui ont fini de déjeuner tout ça, qui, voilà, qui viennent maintenant. Tout à l'heure on était tranquille, il n'y avait pratiquement personne, mais je pense que là les queues vont se rallonger. Avant ça, on va aller faire le petit passage enchanté d'Aladin avec les petits décors. Allez, nous avons la lampe magique avec le génie intérieur. Oh, j'aime trop avec le paysage derrière. Ouais, trop. Petit génie qui apparaît. Ah, il apparaît plus là du coup. Ah, ah si, ah, ça oui. Y est. Et normalement, tu sais que ce personnage-là, c'est le génie. On le voit au tout début, c'est lui qui raconte l'histoire. Et là, nous avons Jaffa. S'est transformé en génie et en serpent. Et nous avons Aladdin qui a réussi à attraper Jaffa parce qu'il avait demandé d'être un génie, mais au final il s'est retrouvé dans la lampe. Voilà. Voilà. Et comme d'habitude, tout finit bien à Disney. Voilà. C'est avec le génie qui est en lune. En tout cas, j'aime vraiment les décors ici. On se croirait un petit peu au bled. Hein. Ouais, magnifique Defender. Là. Très bien décoré. C'est bien ça pour faire du Van Life. Ouais, bah ouais, carrément. Je sais pas s'il démarre encore. Avec l'échappement qui sort par le capot. Excellent. Bon, malheureusement, ça s'est quand même bien bladé. Comme on vous disait, 50 minutes d'attente pour le train de la mine. Après, il y a toujours un peu d'attente. Hein. C'est une attraction un peu phare aussi. Allez, là, écoutez, c'est parti. Ah bah le voilà. Ça y est, on y est enfin. Oh, c'était long, hein, franchement.
accrochez-vous. Impressionnant. Bon alors, ça vous a plu? Franchement, ça va, elle est assez longue. Hein. Ouais, elle est longue, c'est bien. Par rapport à l'attente qu'on a eue, on a eu quand même pas mal de sensations. J'espère que vous en avez profité vous aussi à travers l'écran. On va continuer, je crois qu'il y a une autre attraction, je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'est un truc de la jungle. Je sais plus si c'est avec des wagons de mine ou je sais plus trop. On va aller voir. Là, c'est ça en fait, c'est Indiana Jones, il me semblait bien. Regardez, c'est marqué. Et le temple du péril. Allez, on va aller faire ça. Bon, ça va, il y a 25 minutes d'attente. Impeccable. Bon, là, pareil, on pourra pas filmer parce que ça va aller trop vite.